Qu'est-ce que drapeau? Le drapeau est une pièce d'étoffe attachée par un de ses côtés à une rampe et portant les couleurs, les emblèmes d'une nation, d'un groupement, de chefs, etc. Pour servir de ralliement, de symbole, le drapeau est porteur d'une forte charge symbolique et idéologique. C'est à la fois un objet de mémoire, un lieu symbolique de la mémoire collective. Que représente pour nous le drapeau haïtien? Comme emblème, notre bicolore représente aussi l'un des plus importants vecteurs de notre identité collective. Il rappelle d'où nous venons, qui nous sommes et qui notre foi inébranlable dans le destin de la patrie commune. À titre d'exemple, les couleurs bleu et rouge, noir et rouge, qu'il porte historiquement, rappelons historiquement, c'est bleu et rouge, c'est noir et rouge, demeure le symbole le plus vivant de l'union des indigènes noirs et mulâtres, qui a été sans conteste l'un des principaux actes fondateurs de notre entité nationale. De même, la présence au centre de ce drapeau du palmiste, symbole de la liberté et de nos légendes et devises, l'union fait la force, liberté ou la mort, exprime notre volonté farouche de rester unis, de sauvegarder pour toujours notre liberté, notre souveraineté, de nous battre pour l'équité et le bien-être commun. En bas de drapeau, ça, nous tous devons faire une, mettez tête nous ensemble, vivre ensemble pour nous développer ton azo que nous aimons en pile. En nous travaillant ensemble, c'est main en main qui pour nous faire nous sauver ton azo, développer pays d'Haïti. Tomaso Babel,
Haïti Babel, Nava chanté, Haïti chéri, plus bel pays passé nous pour nos points. Haïti chéri, plus bel pays passé ou nos points. Faut que moi t'ai quitté pour moi t'es capable de comprendre valeur. Faut que moi t'ai laissé pour moi t'es capable. Ouais, aujourd'hui, Haïti chéri, plus bel pays passé ou nos points. Le congrès de la cahier. Les citoyens, les notables de cette commune, les professionnels, les hommes et les femmes d'affaires, les religieux, les petits commerçants, ceux que vous soyez, soyez courageux. Rappelez-vous que notre nation a pris naissance dans une première unité. Mesdames et messieurs les dignitaires, très chers compatriotes, chers universitaires, chers élèves, chers Thomas Lev, mesdames et messieurs, nous voici encore en cette journée du 18 mai pour commémorer le 218e anniversaire de notre bicolore qui représente un pas géant dans notre ascension à l'indépendance. En ces temps sombres et difficiles de l'histoire du monde, en raison de la pandémie du Covid-19 qui ne cesse de faire des ravages sur la surface de la Terre. C'est le moment de réfléchir avec vous sur le sens de cet événement qui, dès notre plus jeune âge, fait partie de notre vie et de notre histoire. Cette journée, en effet, doit s'inscrire dans cette union nationale qui nous a déjà permis de surmonter tant de crises dans le passé. La mairie de Tomazo tient à remercier le chef de l'État, son excellence Jovenel Moïse, le chef du gouvernement, son excellence Claude Joseph, tous les membres du cabinet, tout en saluant les membres de la collectivité, les notables de la ville et la population tomazelaise tout entière. Nous tenons à faire un rappel historique de notre chère commune. Envie d'attirer votre attention sur son état actuel et ses besoins. À l'instar de la ville de l'Arcahaie, la ville du drapeau, Tomazo a une longue histoire que nous allons résumer en quelques lignes. Fondée le 10 décembre 1826 comme habitation, se voit relevé au rang de quartier en 1889 sous la présidence de Lucie Salomon. On a dû attendre à l'avènement du président Florville Hippolyte en 1982, soit le 22 octobre, pour voir la publication du décret relevant le quartier au rang de commune. Ayant une superficie de 253 km², nos vastes plaines, nos sources, notre étang sont parmi tant d'autres ressources naturelles que possède notre commune. Avec environ 53 000 habitants, notre commune est vierge, inexploitée, où il n'y a pas d'infrastructure adéquate pour répondre aux divers besoins de la population. C'est pourquoi des investissements dans le secteur routier, sanitaire et le secteur de création d'emplois sont indispensables pour notre développement. Cependant, compte tenu du caractère particulier de l'événement d'aujourd'hui, je voudrais soumettre à votre réflexion une simple question. Que signifie célébrer l'anniversaire de la création du drapeau national en ce 18 mai 2021? Pour répondre à cette question, je vous invite à revisiter la littérature produite sur le symbolisme du drapeau.
afin d'y puiser, pour répéter François Rabelais, la substance moelle, le symbole se définit comme un rapport de signification le plus souvent conventionnel entre un signifié, objet ou idée,